Vous savez pas, Satan est père des mensonges. Satan est père des mensonges. Souvent, le côté noir de la chose, là, les gens y cachent. Et puis, on vous montre le bling-bling. On vous montre que ça va alors que ça va pas. Alors que c'est pourri. Alors que ça sent. Alors que c'est vraiment, c'est une triste histoire qui est là, là. Mais le côté sombre, c'est caché, c'est voilé. Oui. Si vous rentrez dans ça, gay, lesbienne, quand on parle de ça, si un jour ceux qui s'opèrent, ceux qui font la transformation de devenir femme, de devenir garçon, c'est parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Sinon, ce sont des choses tristes. Parce que ce qui n'est pas normal là, ce qui n'est pas normal, c'est que Dieu n'a pas créé et puis l'homme veut créer. Là. Il y a des conséquences, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Mais ils ne vont pas venir dire. Ils ne vont pas venir dire parce que tu sais, c'est Satan qui gère. Oui, c'est Satan. Quand tu dis oui à ces choses comme ça, il y a un maître, c'est lui qui te gère. Ça veut dire que tu es endormi, tu es aveuglé. Quelqu'un d'autre rentre dans ton corps et puis c'est lui qui agit. Esprit impur, démon. Quand on vous dit c'est la délivrance qui vous faut là, il y a les gens qui veulent discuter. Donc c'est ça. Priez pour vos enfants. Jeûnez, priez. Quand vous avez vos enfants là, il faut se lever dans le jeûne et la prière. Priez pour eux. N'attendez pas que ça soit pire. N'attendez pas pour remarquer. Ah, lui là, on dirait qu'il ressemble à un gay ou bien de sa façon qu'il parle là. Non, hein? Faut pas attendre à ce nouveau-là d'abord. Avant d'agir, agis quand c'est même pas encore fait. Prie pour que ton enfant ne soit pas dans des groupes comme ça. Prie, jeûne et prière. Ce sont mes conseils. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Vous qui êtes dedans, là, repentez-vous, quittez dedans. Repentez-vous si vous entendez. Parce qu'il faut des prières, il faut des jeûnes et prières pour vous réveiller. Quand tu acceptes, là, c'est pas toi qui agis, c'est quelque chose qui agit à travers toi. Toi, tu es endormi. Donc, écoutez ça.